Hey, salut tout le monde, c'est Darrel. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed 2. Et aujourd'hui les amis, le programme est très très simple. Venise, la belle Venise, nous y allons en galopant carrément. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. Je tenais avant de commencer cette vidéo à m'excuser par rapport aux précédents épisodes. Précédents épisodes au singulier. Parce que j'ai remarqué que l'enregistrement était victime de quelques saccades. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas du tout subi à la capture. Donc j'espère sincèrement que ça ne se reproduira pas. Normalement j'ai fait les réglages pour que ça ne se reproduise pas. Mais ça m'a assez étonné, sachant que c'était pas du tout le cas dans les épisodes précédents. Mais écoutez, ce sont les aléas de l'enregistrement. Donc j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème pour cet épisode qui commence dès maintenant. Ezio, what luck! I have run into a bit of trouble. Let me see if I can help. I know how to fix it, but lack the means to do so. If you could just lift the wagon. What is this thing, eh? It looks like a giant bat. Oh, nothing. Just an idea I've been working on. I could not leave it behind. What is it for? Well, I shouldn't really talk about it. Beh, al diavolo. I can't hold it in anymore. Ezio, I think I figured out how to make a man fly. Come on, I'll drive. But I haven't even told you where I'm going. Oh mon dieu, la mission du chariot de Leonardo, c'est une horreur. Venezia, such a beautiful city, so many sources of inspiration. Ponte di Rialto, Piazza San Marco, l'Arsenale. What's wrong? We're not alone. What's happening? Who are they? Rodrigo Borgia's men. Why? What do they want with us? I think they want us dead. Leonardo, hide! Oh là là, ah, ça commence bien. En tout cas les amis, on est parti pour de l'action. Oh. Et donc il faut déséquilibrer les ennemis pour qu'ils dégagent du chariot. Et en même temps il faut éviter de se prendre trop de rochers, parce qu'évidemment le chariot a une barre de vie. Donc autant vous dire qu'on va voir du paysage dans cet épisode, mais on va peut-être se fail quelques fois. Mais bon, c'est la vie. Vous inquiétez pas, on aura des missions de chariot bien pires dans les autres Assassin's Creed. Mais bon. Allez, dégage-toi. Mais ça nous permet de voir un petit peu de paysage. Par contre, je sais pas comment me débarrasser des mecs... Ah ! Qui sont sur le côté. Ah ! Ah, dégagez ! Les mecs qui s'accrochent sur le côté, je sais pas trop comment m'en débarrasser. J'avoue que c'est assez délicat. En plus, il faut esquiver. Ouah, on va se prendre le mur. Ah non, c'est bon. Oh, bah oui. Évidemment, un pont en feu, comme si ça suffisait pas. Oh, en plus, le virage, il est bien vénère. Eh, descends, toi. Descends. Ah. Dégage. Oh. Ok. Bon, et maintenant faut qu'on esquive des pluies de flèches enflammées, comme si ça suffisait pas. Bon, tant pis. Allez, on va éviter de se prendre les flammes. Surtout, ah mais il y a des pluies de flèches, il y a des murs, et en plus maintenant il y a des gardes. Vous pouvez pas juste aller à Venise tranquillement. Voilà, ok. Bon. Ça a l'air déjà un petit peu plus calme. Enfin, on n'est jamais à l'abri. Non, 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 tu vas descendre, toi. Je te le dis tout de suite. Tu vas descendre de mon wagon. Allez! Descends!
Merci. Oh, et maintenant les flèches de feu qui font leur grand retour. Et on est en feu. On est officiellement en feu. Oh. 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 Mais qu'est-ce qui se passe? Mais laissez-moi tranquille. Oh, et en plus la vie du chariot qui descend bien. Go Leonardo. They're here for me, not you. I'll catch up with you later. Voilà, je vais être un petit peu plus à l'aise dans ce contexte-là. Allez, je vous attends. Alors toi, toi, je sais exactement comment m'occuper de toi. Vas-y, attaque-moi. Voilà. Donne-moi ta petite hache, mon ami. T'inquiète pas, je sais m'en servir. Allez, vous voulez qui d'autre veut un petit coup de hache? Allez, au suivant. Allez, n'ayez pas peur. Voilà. Ouais, juste que je me débarrasse des deux petits. Est-ce que si je les désarme, du coup, ça me fait les one-shot? Toi, déjà, je te désarme. Je te tue. Voilà. Toi, on va se débarrasser d'eux très rapidement. Voilà. Bon. Toi, du coup, t'es mort. Ça aurait été plus facile que ce que je pensais. Allez, attaque-moi. Voilà. Et maintenant, tu te défends comment? Tu te défends comment? Eh bah, tu peux pas te défendre. Voilà. Magnifique. On s'est débarrassé de tout ce beau monde. On va enfin pouvoir arriver à Venise. Vacances en Romagne. Ouais, c'était des vacances très agréables. Très très agréables. Et on a débloqué les courses. Bon, évidemment, c'est pas très important. Les contrats d'assassinat non plus. Les missions courrier non plus. Les actions punitives non plus. Bon, bah on a débloqué rien d'intéressant, c'est magnifique. Mais est-ce qu'on va pouvoir apercevoir ou commencer à entre-apercevoir la belle Venise? Pas encore, visiblement. Cap sans effet à cet endroit. Bah, c'est vrai que la cape des Medici, quand on n'est pas à Florence, c'est pas très utile. Par contre, quelque chose que je vois directement sur ma carte, on va peut-être déjà se synchroniser au premier point là-bas, mais il y a surtout un petit tombeau à aller faire. Ça, c'est juste parfait, quoi. Ah, est-ce qu'on est... Ah, on n'est pas à Venise, là, en fait. Non, 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 c'est vrai, j'avais oublié qu'il y a eu une étape avant d'arriver à Venise. Je me suis un petit peu enjaillé. Peut-être que Venise, ce serait pour l'épisode 10. Ce serait beau de faire Venise sur un épisode bien rond comme ça. Bon, après, ça reste à voir, mais... On va prendre le petit coffre. Hop là. Ça reste à voir quand on pourra aller à Venise, mais c'est bon, je me souviens maintenant de ce qui se passe ici. C'est plutôt pas mal. Mais au moins, on en a fini avec la mission du chariot, et ça, je vous avoue, c'est pas pour me déplaire, hein, mais alors vraiment pas. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué sur la carte? On a débloqué une page de codex, un autre point, le tombeau du coup qui est ici, et la quête qui doit être à Perpète. Oui, effectivement, la quête est assez loin. Ok, bah on va avoir du chemin à faire dans cet épisode. C'est pas très grave, mais il faut en être conscient. C'est un épisode où on va beaucoup se balader. On va visiter un petit peu cet endroit. Est-ce que c'est marqué où on est? Est-ce qu'ils nous le disent? On est à Forlì. Un endroit, ma foi, tout à fait médiéval. Alors, la page du codex, elle est ici. Et j'ai vu qu'il y avait des courtisanes là-bas. Donc, on va éviter de se faire repérer dès notre arrivée.
On va prendre ces gentilles petites madames qui vont nous aider bien généreusement. Bonjour messieurs les gardes. Allez, allez, allez-moi draguer ces petits. Allez au boulot. Draguez-moi ces petits monsieur là. Allez au bouveau, sortez les. Je vais pas finir cette phrase, mais. Vous avez compris. Et nous, on récupère la petite page du codex tranquillement. D'ailleurs, Leonardo, il aurait pas pu nous déchiffrer les autres pendant qu'on était sur le chariot? Apparemment, non. C'est pas grave. On finira bien par le retrouver. Et on va aller se synchroniser. Ça va être important de se synchroniser un petit peu partout parce que j'ai pas envie de laisser trop de pages du codex en suspens. J'ai quand même envie d'avoir la vie un minimum à fond. Donc ça, pour le coup, je vous avoue que j'aimerais bien les faire. Hop, on va se synchroniser du coup ici. Après, je pense pas qu'on débloque de pages du codex en se synchronisant ici parce qu'il y en avait une vraiment juste à côté. Mais on se dirigera après vers le tombeau, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué? Ah si, on a quand même débloqué une page du codex. Bon, on ira la faire juste après le tombeau. Après, ça dépend où est-ce que nous amène le tombeau, parce qu'on sait que parfois, pour sortir, c'est pas toujours évident. Mais bon. On va déjà voir où il commence, parce qu'il est pas dans la ville exactement. En tout cas, j'ai pas l'impression. Il est dans ce petit coin. Est-ce qu'il serait pas au-dessus de ce petit muret, là? Non. Il est où, le tombeau? Sur la muraille? Ici? Ah, il était caché, là, le saligou. D'accord, d'accord. Nous voilà donc à Ravaldino. Il va falloir percer les secrets de cette crypte. Et visiblement, les secrets se trouvent vers le corps des gardes. Alors, est-ce que si je fais ça, ça passe? Oui, première étape. On est déjà pas mal. Hop là. Ah, ça va encore être une histoire de levier de timer, à mon avis. Ça va pas être super agréable non plus, mais bon. On s'est préparé à pire. Ouh. Ouh, je suis passé à deux doigts de me faire empaler. Ouh, 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 ouh. On était vraiment pas loin de la catastrophe. Mais bon, on s'en est sorti. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que là, je peux grimper? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il faut que je saute là? Je pense pas. Ah, attendez. Eh oui, je peux plonger dessous. Je peux quand même nager un minimum. Bon, il n'y a pas encore de monde sous-marin, mais je peux nager un minimum quand même. Et en plus, on est au checkpoint. Donc, c'est tout va bien. Ok, d'accord. Alors là, ça va être un peu de plateforme. Yeah. Ok. De l'autre côté. Magnifique. Encore de l'autre côté. Ah, heureusement qu'il a... Heureusement qu'il est musclé, notre ami Ezio, parce que sinon... Ça aurait été compliqué. Je peux pas sauter, là? Faut vraiment... Oh, t'aurais pu sauter, je pense. Très sincère. Oula! Nous ne sommes pas seuls, les amis. Nous ne sommes pas seuls dans ce tombeau, évidemment. Le contraire aurait été surprenant. Maintenant, on n'est pas seuls.
Mais ça devrait pas être très dur de se débarrasser de ces gentils monsieur. Oh, toi, t'as un marteau, tu vas faire quoi? Tu vas construire un meuble Ikea avec ton marteau? Parce qu'elle n'espère pas me neutraliser, hein. Hop là. Bon. Maintenant, il faut trouver la suite. Je suppose que, ouais, ça va être encore une histoire de levier, je pense. Le tout va être de trouver le levier. Bon, là, déjà, il y a un monsieur. Donc là où il y a des messieurs, je suppose... Le levier devrait pas être trop loin. M'embête pas, toi. Pourquoi tu... Tout de suite. Pourquoi tout de suite tu veux m'embêter comme ça? Y'a pas... Y'a pas être comme ça. Ouais, oh non, mon dieu, un assassin. Allez, hop. Le temps que tu t'en rendes compte, t'es déjà mort. Yeah. Allez, le fameux levier. Bon, à quelle sauce on va être mangé cette fois? Ouh là là. Oh. Ah oui, il va falloir comboter les leviers carrément. Eh ben, dis donc. Ah, c'est parti, hein. On va comboter les leviers, si c'est comme ça qu'il faut le faire. Bah, faisons-le comme ça. Hop là, j'ai pas terminé. Merci beaucoup de me respecter un minimum. Oh non. J'ai bugué dans le levier. Vite. C'est bon? Je pense que c'est bon. Ok, il faut passer par les boucliers, très bien. Ouh, j'ai eu peur, mais non, c'est bon, on s'en sort bien, on s'en sort bien. On continue, pas de ralentir, on y va. Et on voit qu'il y a un garde en plus par là. Il va être où? Il va nous attendre dans l'escalier bien sagement. Trouver le caveau. Bon. Je pense qu'on est arrivé au corps de garde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu veux pas t'approcher, toi? Non? Bon. Tant pis. C'est à moi de m'approcher. Je sais le faire aussi. Pas de problème. Ok, bon. Évidemment, on se fait repérer, mais ça, c'était prévu. Je sais pas si on peut les faire en... totale infiltration ces passages. Ça m'a l'air quand même assez compliqué de... d'être totalement infiltré. Tiens, toi. Toi, je vais prendre ta hache. Tu veux pas me passer ta hache, mon ami? Donne-moi ta hache. Ah, t'as pas une hache, mais t'as une grosse épée. Bon, ça marche tout aussi bien. Ça marche tout aussi bien, ta grosse épée, mon grand. Ah, il est mort d'un... d'un coup d'épée dans le pied, c'est pas... pas très glorieux. Enfin. Pourquoi pas. Hop. Il va rester un garde, je pense. Je le vois sur ma carte. Il va rester un petit garde. Après, on aura peut-être même pas à l'affronter. Parce qu'on est déjà arrivé. Enfin, arrivé à la suite, en tout cas. Ouais. Bon, bah, on en aura... épargner un. Ouh. Un peu de végétation, ça fait du bien. Oh là, dépêche-toi. Ouais. Hop, dépêche-toi, vite, 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 vite. Super. Bon, il va falloir analyser un petit peu la situation. Avant de prendre des décisions prématurées. Oui, j'ai compris. Voilà. Hop. Remonte-moi tout ça, j'en ai pas fini avec toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Explique-moi tout. Sauter derrière, comme ça. Ok, et maintenant on fonce tout droit, je pense. Tout droit, tout droit. Et voilà. Ouf. Et bah voilà, nickel. On prend l'argent, on prend le seau et on s'en va. Pas besoin de faire plus. 300 florins en plus, c'est pas magnifique ça?
Moi, je trouve ça magnifique. Et ça nous fait déjà, mine de rien, le quatrième saut sur 6. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout de l'armure d'Altaïr. Si tant est qu'on trouve les deux autres rapidement, c'est peut-être pas le cas. Peut-être que les deux autres se trouvent dans des lieux qu'on visitera bien plus tard. Alors, où est-ce que ça nous fait revenir tout ça? On arrive donc ici, très bien. Avec ma cape qui, évidemment, n'a pas d'effet. Par contre, la petite page du codex là-bas, je pense qu'elle, elle va avoir beaucoup d'effets, n'est-ce pas? Alors, on va aller la récupérer très vite. Do you require a medical assist? En tout cas, c'est très sympa, cette petite ville de Forli. Il n'y a pas de problème, pas de templiers. On y est plutôt bien. 11 000 dans le coffre de la villa. Mon Dieu, mais je suis pété thune, en fait. On dirait pas comme ça, mais je suis blindé aux as. La page du codex, elle est juste là. Mes amis les voleurs, qu'est-ce que ça vous fait d'aller voler ces gardes là-bas, ces gardes totalement stupides? Eh, reviens, enfoiré, il m'a volé mon argent. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas que votre argent qui va disparaître. Ah là là, les gardes d'Assassin's Creed. Des êtres bien stupides. Oh oui, oh, vous savez... L'œil de la vérité, mes couilles. Hein. Oh, c'est vraiment plus mon problème. Hein. Alors, par contre, mon problème, ça va être de grimper cette bâtisse. Comment... Oula, pardon, monsieur. Oui, bon, écoute. Tu vas pas... Ouais, mais c'est bon, oh. Ça va pas la tête. Ouais, je suis devenu complètement fou. T'as totalement raison. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oula là. Ah ok. Bon, ça passe. Par contre, c'est pas par là qu'on va grimper. Y a pas des petites tuiles qui dépassent là pour que je puisse m'y agripper. Et voilà, magnifique. Des petites tuiles. C'est tout ce que je voulais, moi. Oh, quelle musique. Oh là là. C'est beau. Ah, j'adore cette ambiance un peu médiévale. En plus, on voit les bateaux au loin là. Waouh. C'est juste incroyable. Par contre, je crois que le point de synchronisation est tout en haut. Je voudrais pas dire de bêtises. Je pense que c'est là-haut qu'on doit synchroniser. Oh, avec la lune en plus là. Qu'est-ce que c'est bien fait. Mais quelle direction artistique. Ah là là. J'adore. J'adore, j'adore. Regardez-moi ça, ce panorama, quoi. Oh, profitez. Et on a mis à jour la carte. Alors, est-ce que par hasard, on a débloqué d'autres pages du codex? Vous voyez, ça reste quand même important de faire les... Ah ! Donc, je disais, ça reste quand même important de faire les pages du codex qui nous passent sur le chemin, parce que... Bah ça nous permet d'augmenter notre vie. Par contre, ça m'a confirmé mon point. J'ai pas besoin de le refaire. Non, c'est bon. Ils sont gentils parce que c'était un sacré fail, ça, dis donc. Mais alors, vraiment un sacré fail, quoi. Ah, elle est où la page du codex? Elle doit être de l'autre côté. Là, si jamais il y a des mercenaires à recruter, mais est-ce qu'il n'y a pas des petites courtisanes, évidemment, si stratégiquement bien placées. Allez! Offrez donc vos services à ces messieurs. Voilà.
Et la petite page du codex. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste faire le point ici, et puis ma foi, on va aller à la quête principale. On est déjà à 25 minutes d'épisode. Je crois pas que ce soit une quête très très longue, donc je pense qu'on aura le temps de la faire tranquillement. Ou au pire, on fera un petit peu d'extra temps, si jamais, comme l'épisode dernier, était un tout petit peu plus court. Est-ce que je prends le cheval, sachant que je vais monter? Je pense pas que ce soit très intéressant. Bon, on entend même les grenouilles chanter. Bon, c'était pas très haut non plus ce point-là, mais bon, on va le faire. Il y a un petit coffre ici, on va le récupérer. Bonjour, bonjour. Voilà, magnifique. Alors, monsieur, le point de synchronisation. Comment allez-vous? Cette douce matinée. Oui, oui, j'arrive. Deux secondes. Je regarde juste s'il n'y a pas des petits trucs à faire par là. Et j'arrive. Alors, du coup... Non, bon, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Mais bon, c'était important de regarder. Maintenant, au moins, on le sait. Il n'y a rien à faire par ici. On va aller voir celui qui nous dit « Hey, over here, over here ». Je pense que c'est ce bon vieux Leonardo. Hein. On va s'empresser d'aller le chercher. Leonardo! Oh là. Avant-poste vénitien, il y a une énigme qu'on ne fera pas parce que on s'en fiche. Bonjour Leonardo. Thank you Ezio. You saved my life. I did what had to be done. You would have done the same. I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt, brother. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! That's our traghetto. Venezia waits. Where's your pass? What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Nobody. Basta! No pass, no entrance! Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Don't just stand there! I need help! Aider la femme qui vocifère à revenir sur le quai. La femme qui vocifère. Eh ben, madame qui vocifère, on va vous aider à ne plus vociférer. Dio del cielo, aiutatemi! Alors, non, monte, par pitié. Comment je... Comme ça. Alors, allez où, la fameuse femme? Maintenant, bah, comment je rame? Ah, il faut... Ok. Ah, il faut spammer. Ok. La vraie question, c'est comment elle s'est retrouvée ici? Je préfère pas savoir. Tu pouvais pas... Non, mais sérieusement, Madonna. Oh, you're good. The ladies must like you. Non mais, t'es littéralement à 5 mètres du bord quand même, ma grande. T'aurais pu juste y aller. Auditore, but please, call me Ezio. Bon, je vais le laisser draguer. Hein. Now, Ezio, we must find you suitable reward. Do you have any suggestions? There is perhaps something you could help me with. Yes, signora. Whatever you say, signora. He won't trouble you anymore. I took care of it. Thank you, Caterina. Perhaps we'll see each other again. Should you ever find yourself in the city of Forli, it would be my pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. Please accept my most humble apologies, Messere. Had I known... It's quite all right, my friend. Tout le monde à bord, synchronisé. Eh bien, écoutez, les amis, je sais.
J'avais dit peut-être qu'on ferait un épisode un peu plus long, mais je n'ai pas envie d'aller à Venise aujourd'hui. J'ai envie d'aller à Venise pour l'épisode 10. Donc vous avez compris ce que ça veut dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo comme d'habitude. Et moi je vous donne rendez-vous demain, cap, sur Venise. Ciao tout le monde.